Là, nous pourrions aller dans le département sud-est. D'ailleurs, week-end ça, le président Jovenel Moïse est dans le sud-est, particulièrement dans la zone Lamandou, côté l'étape inaugurée, un centre professionnel dans le département, surtout pour les jeunes qui sont dans Jacques Mélio. On veut un tel métier et M. Damiou est capable d'apprendre à travers centre professionnel. Ça, on a bien un peu devant dans l'émission ça pour nous partager avec vous extrait, intervention qui était produit dans le cadre d'inauguration. Mais pour qu'on y aille, on prend direction la colline. La colline, qui travaille tout, qui a réalisé, dans niveau ça, et bien, Wilson Lidoré pour aider nous, découvrir qui sa équipe caravane changement a fait dans la colline, dans le sud-est, pays d'Haïti. D'après quoi ça me fait, moi, où tu as ça grand pas là. Et surtout, quand tu vas me camper là, ça c'est une ravine sèche qui est passée là. Et la ravine, ça, dans le moment plus vieux, il est toujours un petit peu dégoûtant. Et toujours passé là, tout, aller, tout ça nous gagne là. Mais par rapport à la caravane de changement, ça, le président Jovenel, porté pour nous, ici, dans ce tribunal, pardon, c'est le 12e tribunal Lavano. Et au bout de ça, il devient un gros bagaille pour nous. Parce qu'à cause de lui-même, la ravine, c'est ça, oublié de traiter. Et tout une bonne solution pour nous. Et nous, du président, un gros merci. Et c'est lui-même, tout comme premier président, qui pensait avec mon avant nous, qui pensait à caravane, qui pensait à PIA, dans le sens, dans le domaine route. Parce que dans le temps passé, et chaque fois paysan, ils ont fini de planter, ils ont récolté, rien n'a été gaspillé parce qu'il n'y a pas de route. Dans le sens, nous, du président, un gros merci. Et pas découragé, nous, avec. Moi-même, je suis Kazek, et moi, avec. Et toute population, je suis dirigé avec. Colline dans l'autre, l'eau a descendu, écrasé route là, qui cause que nous n'avons pas de route pour nous passer ici à Devine la Caille. Jean l'a conduit avec nous là, nous nous sentons bon, pile nous à l'aise, parce que nous bien contents, parce que nous n'avons pas espéré ça. Moi, salut le président, je voulais dire merci beaucoup parce qu'ils font bel travail pour nous, même qui paysans, et ça fait nous te voter, nous te voulons monter, parce que nous connaissons que les font belle bagaille pour nous. Nous crions un bel merci, un bel chabot pour les tout, un bel bagaille qui fait. Amen, nous dit le président, merci beaucoup. Depuis nos fêtes, nous toujours une difficulté dans le droit. Mais si je dis, tu as un encouragement pour t'abonner une solution dans l'eau, à drainer les tout. Président Jovenel, vous comprenez? Belle merci et puis continuez la route là jusqu'à la fin. Depuis ce gros moment où gros autant qu'on a un mauvais temps, les cas déjà des mêmes mètres là. Là, on pas quel contentement parce que ce plus gros merci nous a trouvé avec ça. Ouais, si on l'autre monde, quel que soit, nous ne pouvons pas vivre de même état. Si on ne parle pas, les business pas, même moi, sont pas quel réalité. J'ai annoncé le week-end ça, c'était surtout l'inauguration de centre professionnel dans Jacques Mel qui était attirant pile l'attention, avec bien sûr la présence du président Jovenel Moïse, directrice générale Institut national formation professionnelle Marguerite Diossé, représentant Banque Interaméricaine de Développement, d'ailleurs qui portait Bourad Payo, et Banque Caribéenne Tout Développement qui baille Bourad pour permettre eh bien, centre professionnel ça, un centre professionnel flambant neuf, puis pas son vingtaine de métiers, jeunes n'ont pas le capable d'apprendre, ça qui prend le bas aux outils. Pour bataille avec la VIA, pour arriver à construire tête en bonne et due forme et rendre utile, non seulement à tête, à famille, mais tout à reste PIA. On a regardé comment ça a été, c'était vendredi, à Lamandou, Jacques Mel, département sud-est, inauguration, école professionnelle, ça, faut qu'on dise, et c'est pas premier département qui bénéficiait de projet ça, et pas que trop longtemps, depuis le président Jovenel Moïse, tu fait même exercice ça, dans le Trou du Nord, département nord-est.
Nous voilà réunis ce vendredi 29 juin 2018 pour inaugurer ce bâtiment flambant neuf et équipé de matériel et d'un outillage technologique moderne, fruit de l'aboutissement d'un long processus initié par l'État haïtien auprès de la BID et du CDB. Cette cérémonie, qui se veut simple mais combien importante par son symbolisme et sa signification, se déroule au moment où l'État haïtien s'implique avec la détermination du président de la République. Son Excellence, votre présence ce matin à cette inauguration, en dépit de vos nombreuses obligations, témoigne une fois de plus de votre intérêt pour la cause de l'éducation, la priorité des priorités. Car l'implantation d'écoles professionnelles de qualité traduit l'effort et la volonté de votre gouvernement à former des jeunes professionnels capables de contribuer au développement du pays. En effet, beaucoup de pédagogues abondaient dans le sens qu'Émile croit fortement que la socialisation et la formation de la jeune génération se révèlent de la responsabilité des générations adultes. Il faut dire que par ce tact, nous sommes sur le point d'accomplir notre devoir d'implanter des infrastructures éducatives adéquates, susceptibles de fournir à la société les ressources humaines qualifiées et compétentes pour survie et son développement. Coiffé par la haute présidence du premier mandataire de la nation, Son Excellence Jovenel Moïse, nous nous réjouissons d'être ici pour dire à cette belle et rayonnante jeunesse jacmélienne, en ouvrant les portes de ce nouveau centre professionnel moderne, que désormais son rêve d'un avenir professionnel réussi est possible. Inaugurer deux centres professionnels en l'espace d'une semaine, l'un vendredi dernier au Trou du Nord et l'autre aujourd'hui ici, est sans conteste un signe visible qui ne peut augurer que de l'espoir et du beau temps. L'espoir d'une ère nouvelle où les aspirations les plus profondes de toute une population trouvent enfin un terreau fertile pour prendre forme. Espoir de changement dans les conditions de vie. Espoir de pouvoir se construire un meilleur lendemain. Espoir enfin de voir émerger et s'imposer une Haïti qui s'engage sans détour à ouvrir à sa jeunesse les voies salutaires d'une relève réussie. Jacmélien, jacmélienne, mesdames, messieurs, aujourd'hui, tout observateur honnête et impartial s'accordera sans peine à reconnaître que c'est vers cette Haïti responsable et éprise de justice sociale et décidée à avancer sur les voies du progrès que nous conduit le président de la République, Son Excellence Jovenel Moïse. Les preuves sont là, elles sont palpables et ce centre professionnel que nous inaugurons aujourd'hui ne l'illustre que trop bien. Partout sur le territoire s'élèvent dans le paysage national des centres professionnels modernes destinés à tracer un chemin d'avenir à une jeunesse haïtienne trop souvent et trop longtemps livrée à elle-même. La jeunesse haïtienne a droit à toutes les attentions et mérite d'être l'objet de politiques gouvernementales porteuses de bien-être, de loisirs sains et d'emplois capables de mettre à profit son talent, son énergie, ses ressources et son esprit créatif. L'État se doit d'investir dans nos jeunes afin d'en faire des citoyens épanouis au service de la nation. Ces bâtiments que vous regardez et admirez aujourd'hui sont l'œuvre de deux agences,
la Banque caraïbéenne de développement, BCD, qui a financé les infrastructures, comme vous aviez entendu, à la hauteur de $3,832,865.48. Et la BCD qui a fourni les matériels et équipements à près de $2,403,008. Ce qui fait un montant de $6,234,588.56. Je les remercie de tout cœur. C'est un exemple qui montre à clair qui j'en chaque jour. Président Jovenel Moïse et toute administration là travail pour retirer les peuples haïtiens dans le fait noir, dans l'ignorance, dans le chômage et la misère. Et nous fait carré travail, nous fait carré bataille pour nous gagner une nation côté tout le monde qui a une même chance pour nous mettre talent, yo, intelligence, yo, service au service pays. Yo. Pour justice, ak sécurité ka blayi tout partout yon jan pour toute petite terre d'Haïti ka construit avenir avec assurance et sans qu'elle saute. Président, on met compter sous nous car avec Dieu nous ferons toujours des exploits. Merci. Inaugurer un centre professionnel de cette envergure est sans aucun doute l'un des gestes les plus stimulants qui soit dans un mandat de chef d'État. C'est une nouvelle porte qui s'ouvre sur l'avenir. Sans aucun doute, la réalisation de l'un des plus beaux projets pour toute une jeunesse. Nous nous réjouissons intensément d'avoir pu profiter dans la mise en place de ce centre moderne, de la coopération agissante et féconde de plusieurs partenaires dont l'engagement auprès de nous dans l'œuvre de redressement national se révèle total. Au nom du peuple haïtien, je les en remercie vivement. Jacques Mélien. Après Troute du Nord, nous voici aujourd'hui, ici, chez vous, pour ouvrir les portes de ce nouveau centre qui se veut un tremplin d'un vol pour les jeunes du Sud-Est qui rêvent de se hisser à la hauteur de leurs aspirations en contribuant par leurs talents, leurs compétences à l'édification du devenir national. Il n'y a pas de génération spontanée. Si nous voulons un pays meilleur dans les 25 ans qui viennent, c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Nous devons nous mettre au travail aujourd'hui. Nous devons se regarder l'un l'autre dans les yeux pour dire à nos frères et sœurs haïtiens de ne plus continuer dans ce chemin qui a fait tant de tort à ce pays. Nous devons cultiver l'amour pour l'autre. Et nous devons avoir le courage de dire la vérité quand il faut dire la vérité. Par exemple, aujourd'hui, c'est une vérité de dire qu'à Jacmel, il y a un centre professionnel financé par deux bailleurs à travers l'INFP parce que dans mes 7 axes prioritaires, j'ai toujours été clair. L'État aujourd'hui n'est plus ce qu'il était avant. Aujourd'hui, on a des institutions publiques qui sont capables de prendre la destinée du pays en main. En 15 mois, disons 16 mois et quelques jours, nous sommes en train de constater dans ce pays
que les institutions publiques peuvent et sont en train de travailler pour prouver au peuple haïtien, pour prouver à la nation haïtienne que les femmes et les hommes qui travaillent dans la fonction publique aujourd'hui sont capables de donner à ce pays un lendemain meilleur. La jeunesse est la clé de la réussite de notre avenir. Nous l'avons bien compris. Et c'est pour la mettre en confiance, lui offrir toutes les possibilités de se doter d'un métier et de réussir son avenir que nous avons pris l'initiative d'implanter dans chaque département une école professionnelle de qualité dont les standards de formation répondent aux exigences des marchés régionaux et mondiaux. Un président qui se respecte ne doit pas avoir d'amis. Un président qui se respecte ne peut pas avoir d'amis. Merci beaucoup. Voilà, centre professionnel ça qui inauguré vendredi, qui souhaite passer là, président républicain Jovenel Moïse, vous avez été intervenu, directrice générale INFPA, magistrat et Jacques Bella, très certainement, et puis de l'autre autorité, et le sénateur Joseph Lambert, le sénateur Dieu Piché Ruben, tu as remarqué, présence député circonscription 1, Ketel Jean-Philippe, qui c'est d'ailleurs président commission éducation dans la Chambre députée. Alors, plus pas son vingtaine métier, je n'ai pas capable d'apprendre dans ce sens. Et ça qui pral aide au gain bagay nan men yo pour bataille à la vie, hein? Hein? Ça qui pral aide au affirmer tête yo sous base ça ou connaît, sous base ça ou capable faire. Il y a non seulement utile à tête yo à famille, mais tout à pays. Alors, pas oublier, c'est pas premier centre comme ça que le président de la République a inauguré récemment dans la commune Trou du Nord, dans le département nord-est, pendant le passage président à l'occasion fête Saint-Jean-Baptiste, tu as gagné l'école Consatou qui inauguré toujours dans l'idée de permettre jeunes à apprendre qui choy, jeunes qui ont des choses dans la main pour être capable de faire face carré à la réalité et la vie. Nous avons toujours été dans le sud-est, Jacques Pell, toujours dans sa qui vient pour avec l'inauguration centre professionnel. Là maintenant, nous parlons avec la population. Nous
zone là monde qui très certainement pral profiter de cette fête là qui eux même pral dire nous qui gens yo comprendre eh bien inauguration centre professionnel ça comment approprier de réalité ça de nouveaux outils ça que chef l'état mettait à disposition yo pour jeunes yo capable joindre moyen pour yo apprendre qui choy ça qui pral aider yo servir tête yo et servir tête yo n'est-ce pas vrai dans de bonnes conditions. On a le temps des réactions population hein, tout de suite après inauguration école professionnelle Jacques Pella. C'était hier vendredi. Content président pour ça le faire pour nous on Abdoula bon même qu'a parler à bon d'ailleurs même qui a travaillé on Abdoula ça fait ma remercier président dans tout ça l'a fait dans tout travail l'a fait mais l'école ça le fait bref là bon pour un pile monde parce que un petit jeune qui pas gâte arriver fini l'école mais qu'on a là il va chercher un métier il va apprendre qui a fait venir nous petit soulagement mais seulement m'a dit président merci parce que pour ça le fait pour nous dans zone là ça et puis gros bail il fait pour nous. Parce que si jeune yo chercher profession yo fait et tout moi qui parler à tout comme si président gantan fait m'a travail m'est content seulement m'a dit président Jovenel merci pour ça le faire nous remercie président parce que le président qui vient faire valer zone là pour nous parce que nous pour que j'ai gain on l'école dans zone là comme ça pour tout jeune garçon qui veut venir emploi pour te cacher avec petit travail yo fait son fierté le taille pour nous même pour population avec tout président son peut faire on fierté le taille. Ma vous dit président un gros merci parce que mes deux petits garçons même qui me pas apprendre là tout monde m'a remoué m'va le mourir tout monde m'a pas prendre m'a dit président merci. On est tellement content m'pas connait qui ça m'ta bail président parce que cette professionnel ça l'tabli il est important pour moi et l'important pour jeune aussi l'important pour ça qui va venir. Je félicite le président et je félicite tout le monde qui a venu pour l'information dans ce centre. Et je dis tout le monde comme ça, et compliment. Et je dis que je suis ferme et toujours mettez pour promesse nous dehors pour le président qui a continué à faire pour nous. Et aussi, nous avons une route là, nous mettons dans le projet. Parce que c'est fort coup de la fête pour l'école qui a une plus belle vision.